Bonsoir à tous, c'est le premier consul Pazone. Aujourd'hui, vous avez vu une nouvelle vidéo. Et Jean Castex, devant toute l'assemblée, s'annonce qu'il va s'injecter la quatrième dose en avance. Mais c'est incroyable. Vite, on va regarder la vidéo. Pourquoi fait-il ça? Eh non, les chiles... Oh non, il les a eus. C'est bien évidemment... C'est... Vous le faites exprès de tomber dans le panneau à chaque fois. Zéro dose, toujours 100% humain. Oh non, il avait zéro dose et il était 100% humain. Il vous a menti, mais quel maïc le menteur. L'escroc, le filou, encore... le malandrin, le scélérat. Et mes couilles encore 100%, en fait, zéro test, mes cloisons nasales encore un sacre bleu. Un sacre bleu. QR code, je ne me fais pas scanner comme du vulgaire bétail pour pouvoir aller au resto ou aussi. Paix sur vous les chiles, en dépit des mesures sanitaires. Oh non, il nous a bien eu en fait. Castex est en fait inconscient. En tout cas, cette parodie me fait beaucoup rire. Ah ya, excellent, mais joli. En vrai, c'est une bonne parodie, on s'y croirait presque. Et l'élite n'a pas besoin de l'argent du CNC pour faire des chefs-d'œuvre comme ça, pas comme certains ou certaines. Surtout certaines en dépit de Hans. J'y fus, ha ha ha. Aïe, meilleure parodie depuis 1989, hein. Aïe avec l'accent, aïe. Incroyable, incroyable. Comment c'est ultra bien fait. N'empêche, on est quand même dans la merde avec le NWO. Ce délire, mais oui, le délire va trop loin, là. Alors, à la base, les dires de Castex viennent du pavé et non les chiles, mais aussi de la musique de Good Boy. On va la réécouter quand même, juste pour voir que ça coïncide bien. C'est bien évidemment toujours fake. Et à la fin, on a exactement le même. Et non, les chiles, toujours. C'est bien évidemment fake. Donc voilà, vous pouvez aller voir cette parodie, elle me fait bien rire en tout cas. C'était juste une petite news différente sur le Covid pour rigoler un peu, parce qu'autrement on va devenir zinzin. Si on fait toujours que ça l'armée, on va devenir barjo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce soir. C'était le premier consul, à la plus, à Mogus.